Alors bonjour à tous et à toutes. J'aimerais d'abord remercier les personnes qui organisent cette journée de m'avoir invité, de me donner l'occasion de prendre la parole pour partager avec vous certaines de mes idées au sujet de la situation que l'on rencontre à l'heure actuelle et en fait de façon d'y faire face. Dans le contexte de la thématique d'aujourd'hui sur repenser son enseignement en temps de pandémie, les opportunités et les contraintes, j'ai envie de parler d'un passage de la continuité à la transformation pédagogique. Vous comprendrez dans un instant. Ce que j'espère d'arriver à faire, c'est de susciter certaines questions chez vous, de vous amener à vous interroger sur des éléments beaucoup plus généraux de contexte dans lequel on se retrouve. Et ça devrait préparer le terrain à un ensemble de questions, discussions lors de cette journée ou à la suite de la journée, et aussi à d'autres interventions, dont celle de Bernadette Charlier, qui ira beaucoup plus en détail sur des aspects liés à l'enseignement hybride, sur les technologies et ainsi de suite. Alors pour démarrer, j'ai de vous présenter un bref état des lieux que vous connaissez tous et toutes, mais simplement de le rappeler que finalement cette crise sanitaire force un changement de nos façons d'enseigner et d'apprendre dans le supérieur. Pourtant, en France, comme dans d'autres systèmes d'enseignement supérieur, on parle de continuité pédagogique, donc de continuer à faire comme nous faisions avant la crise, mais cette fois à distance. Alors certains collègues dans divers systèmes d'enseignement supérieur parlent en anglais de ce que l'on appelle le remote emergency teaching, ou donc un enseignement à distance dans l'urgence. Ce qui n'est pas vraiment un changement de paradigme, mais ce n'est pas vraiment une réelle transformation pédagogique puisque l'on cherche à faire ce que l'on faisait avant, mais dans des conditions différentes. Donc, on n'est pas vraiment passé à la réelle formation à distance, à l'enseignement en ligne, à l'apprentissage en ligne. On est vraiment dans cette logique d'enseignement à distance, dans l'urgence, sans nécessairement avoir revu les principes ou les bases pédagogiques de cette situation. Alors, j'ai envie, pour illustrer ça, de vous parler d'une expérience vécue. Donc, en 2006, je travaillais à l'université de Southampton au Royaume-Uni et un week-end, comme ça, dans l'année, se déclare un incendie au sein d'un de nos bâtiments de grande taille. Lors du week-end, le bâtiment est complètement détruit. On est en plein semestre académique, alors vous imaginez bien qu'il nous a fallu trouver des solutions très rapidement. Donc, la réaction immédiate a été de trouver de nouveaux espaces d'enseignement et d'apprentissage pour nous permettre de faire exactement ce que nous faisions avant l'apparition de cette crise, avant l'incendie. Donc c'était la continuité de ce que l'on faisait, mais dans des nouveaux espaces, dans des nouvelles conditions. Donc on a loué des salles dans les hôtels de la région, dans des bâtiments publics. On a pu identifier aussi des nouveaux espaces au sein de l'université pour le reste de l'année académique. Donc on a mis en place une stratégie de remote emergency teaching. Cette fois-ci, le remote est en lien avec le fait qu'on n'enseigne plus dans les bâtiments d'origine où les cours se donnaient à l'origine. Donc ça, c'était la réaction immédiate, hein, la réponse institutionnelle à une situation de crise, un peu comme on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire une réponse institutionnelle à une situation de crise, mais on est rapidement passé à la phase 2 de cette réflexion, qui était la réaction à plus long terme, où là, on devait reconstruire un bâtiment, et justement, on s'est dit, mais on va tenir compte de nouvelles façons d'enseigner et d'apprendre. Et là, on a commencé à entrer dans cette posture de transformation pédagogique, avec tout ce que ça implique auprès des diverses personnes impliquées dans l'enseignement, dans l'apprentissage, dans les services fournis aux étudiantes et aux étudiants. J'utilise cet exemple pour montrer que dans la situation actuelle, en fait, on est dans la réaction immédiate, on est beaucoup dans la façon de trouver des alternatives à ce que nous faisions jusqu'à ce que la crise sanitaire se présente. Mais je suis pas complètement convaincu qu'on est entré dans une logique de réflexion à plus long terme sur ce que ça représente pour les universités, pour les personnes qui enseignent, pour les personnes qui étudient, pour les personnes qui gèrent les universités. Donc, quand je parle de passage de la continuité à la transformation pédagogique, en fait,
Pour moi, dans la situation actuelle, il me semble qu'une transformation pédagogique s'impose. Alors, vous direz que ce n'est pas nouveau parce qu'on en parle déjà depuis une vingtaine d'années, parce que d'une part, on a une meilleure compréhension des processus d'enseignement et d'apprentissage, particulièrement dans le supérieur, qui nous amène à revoir des façons de faire. Et en même temps, et ça c'est particulièrement vrai dans le système français d'enseignement supérieur, on a une diversité et parallèlement une précarité croissance des étudiants. Et quand je parle de précarité, c'est pas seulement précarité économique, mais on parle de précarité quasiment pédagogique, à savoir qu'on recrute de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes qui ont besoin de plus en plus d'accompagnement dans leurs études universitaires. Donc, on se retrouve remettre en question ou à faire une remise en question obligée du modèle du cours magistral à un grand nombre d'étudiants, d'étudiantes, en direct, dans un lieu physique, en raison de cette crise. Et soit dit en passant, ce modèle, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on l'utilise. On peut attribuer son existence au poids de l'histoire, mais il ne faut pas oublier non plus qu'au plan économique, c'est un des modèles les moins chers pour fournir le service éducatif de l'université. On remplit un amphithéâtre de plus en plus possible de personnes, on leur fournit un enseignement qui demande pas nécessairement des heures de préparation ou des heures d'accompagnement, et donc finalement le coût par étudiant est pas très élevé. Aujourd'hui, ce modèle du cours magistral, un grand nombre d'étudiants en direct dans un lieu physique, en fait, est remis en question. Et en fait, c'est même plus une option en raison de la crise sanitaire, parce que on a interdiction des rassemblements de grande ampleur, on a l'obligation de la distanciation physique lorsqu'il y a des rassemblements qui sont autorisés. Il y a aussi une limitation des mouvements des individus, donc le présentiel en amphithéâtre devient difficile. Alors là, en plus, on est dans une situation où il semble y avoir un regain des taux d'infection au sein de la population. Donc en fait, ces dimensions-là qui sont propres à la crise sanitaire, font que le modèle pédagogique du cours magistral en amphi avec un plus grand nombre en direct dans un lieu physique donné doit être mis en question. Donc on ne peut pas simplement se limiter à faire de la continuité pédagogique ou simplement à transposer dans un nouvel environnement ce que l'on faisait avant. Il y a en fait derrière tout ça ce que moi j'appelle une remise en question du méta-scénario pédagogique. Et je vais vous expliquer dans un instant ce que j'entends par ça. Alors le scénario pédagogique, c'est quoi? C'est une façon d'imaginer et de planifier un enseignement qui va mettre en relation divers éléments, dont typiquement les contenus, c'est-à-dire la matière qui est couverte, les notions à faire apprendre aux étudiants, les compétences, hein, qu'elles soient intellectuelles, sociales, professionnelles, qui sont justement développées en lien avec ces contenus, les stratégies d'enseignement et d'apprentissage, bien entendu, qui vont aider les étudiantes et les étudiants à développer ces compétences, et finalement des méthodes d'évaluation des apprentissages qui vont permettre de déterminer le niveau de compétence des étudiants, des étudiantes, une fois les enseignements terminés, une fois le semestre arrivant à sa fin. Ça, c'est le scénario pédagogique. On peut l'illustrer de diverses façons. Et puis, une illustration que moi, j'utilise depuis un certain nombre d'années est celle-ci, où on voit que finalement, au centre de ma réflexion pédagogique à titre d'enseignante ou d'enseignant, j'ai les apprentissages à réaliser par les étudiantes et les étudiants en tête, et je vais réfléchir justement à ces éléments que sont les contenus, les compétences à développer, les stratégies d'enseignement à utiliser et les méthodes d'évaluation qui vont me permettre d'obtenir une preuve de ces apprentissages. Alors, ce modèle qui est très très sommaire, parce que bien entendu la scénarisation pédagogique peut aller beaucoup plus loin, nous permet de voir l'importance de l'équilibre ou de l'alignement pédagogique, en ce qu'on appelle parfois l'alignement constructif entre ces divers éléments-là, ces diverses composantes du modèle, pour justement réfléchir à mon scénario pédagogique, à comment j'ai envie d'enseigner un cours, une matière donnée pendant un semestre universitaire. Alors, vous remarquerez qu'on parle de scénario pédagogique et ce n'est pas la même chose, j'ai envie de dire, qu'un script. C'est-à-dire que le scénario pédagogique, comme je le disais, est en fait une façon d'envisager et de planifier, mais qui laisse la place à beaucoup d'improvisation, beaucoup d'ajustements et beaucoup de réactions de la part de l'enseignant, l'enseignante et même de la part des étudiants et des étudiantes. Alors,
Le métascénario pédagogique, lui, c'est en fait plutôt des considérations globales qui sont peut-être parfois même logistiques qui vont affecter ce scénario pédagogique-là. Alors, on peut parler de la participation présentielle ou virtuelle lors de l'enseignement et de l'apprentissage. En fait, on en parle depuis des années de ça, mais tout à coup, ça devient un truc qui est incontournable, des questions qu'on doit se poser. On parle aussi du direct ou de différé, hein, ce que l'on appelle aussi le synchrone et l'asynchrone. On va parler d'une approche individuelle versus une approche groupale lors de l'enseignement et de l'apprentissage. Est-ce que je vise à ce que chaque individu apprenne quelque chose par lui-même ou par elle-même, ou est-ce que je vise à ce que les étudiants et les étudiantes travaillent ensemble pour développer une compréhension de ce qui se passe? Et puis un corollaire de ça, c'est est-ce que je travaille avec le groupe complet ou est-ce que je divise le groupe en sous-groupes et que j'ai des séances présentielles ou virtuelles avec des sous-groupes d'étudiants? Alors, le métascénario pédagogique, hein, on reprend notre scénario pédagogique de tout à l'heure, et en fait, on voit que maintenant, quatre grandes dimensions vont être importantes ou fondamentales, des questions que l'enseignante ou l'enseignant doit se poser dorénavant, qui auront un impact sur le scénario pédagogique lui-même. Et bien que ces questions-là, on puisse dire qu'elles étaient présentes déjà depuis un certain nombre d'années, avec la crise sanitaire actuelle, elles sont devenues incontournables pour la majeure partie des enseignants et des enseignantes. Je vous rappelle, hein, d'abord que la référence ou la norme qui est associée au cours magistral dans l'enseignement supérieur est généralement l'idée de présence physique, en direct, de tout le groupe qui apprend de façon individuelle. Alors, il y a peut-être eu quelques variations au fil des ans, on a peut-être introduit certaines façons de faire au plan pédagogique qui s'éloignent un tout petit peu de ça, mais le modèle de base, hein, ce que l'on pourrait appeler quasiment le paradigme associé à l'enseignement supérieur, c'était vraiment ces quatre dimensions-là. Et vous noterez tout à coup que la crise sanitaire remet en question énormément de choses en lien avec cette référence ou cette norme qui est associée à notre modèle pédagogique. Donc, la crise sanitaire nous amène finalement à nous poser des questions qui relèvent de ce métascénario pédagogique. Alors, vous direz, heureusement que les enseignants et les enseignantes ont tous des scénarios pédagogiques, parce que comme ça leur permet de se concentrer davantage sur le métascénario plutôt que sur le scénario pédagogique. Le problème, comme vous savez, c'est que dans certains cas, les scénarios pédagogiques d'enseignants ou d'enseignants n'étaient pas nécessairement très élaborés. Quand mon scénario pédagogique se résume à 30 heures en présentiel, dans la salle 204 de tel bâtiment, avec tous les étudiants en même temps, et je leur parle longtemps d'un sujet qui m'intéresse, c'est un scénario pédagogique qui est très très peu élaboré, et ce qui veut dire que finalement, j'aurai pas énormément de flexibilité quand je dois réfléchir à ces éléments du métascénario pédagogique. Par contre, si j'ai un scénario pédagogique où j'ai pu réfléchir à un ensemble de possibilités pour les diverses dimensions que j'évoquais tout à l'heure, alors là, c'est un peu différent, parce que l'impact du métascénario pédagogique va m'amener à me poser des questions sur mon scénario pédagogique et j'aurai déjà réfléchi à diverses dimensions avec lesquelles je jongle en fonction, de la situation. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans cette crise actuelle, hein? On a un bouleversement majeur pour les personnes impliquées. Qui sont ces personnes? Ben, on a les étudiants. Les étudiantes qui, inévitablement, dans certains cas, sont laissées à eux-mêmes ou à elles-mêmes et donc se sentent isolées, se sentent même pris au dépourvu parce que je ne sais pas vers qui me tourner quand je ne comprends pas, quand je ne sais pas comment fonctionner. On me demande de faire des trucs en autonomie et je ne sais pas du tout comment le faire. Et non seulement ça, il y a aussi cette perte du lien social qui pouvait exister par le présentiel, et on sait très bien que le lien social est une variable qui a un impact sur la persévérance aux études des étudiants et étudiantes dans l'enseignement supérieur. Dans le cas des enseignants, alors beaucoup d'enseignants, beaucoup d'enseignantes ont l'impression de redevenir des novices parce qu'on leur demande d'utiliser des nouveaux outils, on leur demande de faire appel à des nouvelles façons de faire, et il s'agit en fait de revoir complètement ce que je fais depuis un certain nombre d'années et donc de mettre un peu la hache dans mon expertise existante pour en fait m'adapter à la situation qui se présente. On a aussi les personnes venant en aide aux étudiants
et aux enseignants-enseignantes, hein, donc conseillers pédagogiques, conseillers aux étudiants, tous les services qui sont mis en place pour améliorer l'expérience apprenante des étudiants ou l'expérience générale des étudiants, étudiantes. Ces gens-là qui doivent tout à coup gérer à la fois le changement institutionnel qui est induit par la crise sanitaire et en même temps gérer la réaction individuelle des personnes impliquées. Certaines personnes ont sauté à pieds joints dans l'idée de formation à distance et de développer des scénarios pédagogiques qui tenaient compte justement de ces nouvelles variables que vont affecter, qui affectent le scénario pédagogique, alors que d'autres sont plus dans une logique d'objection, même de résistance à ces changements pour diverses raisons. Alors, je ne pose pas de jugement sur la valeur de la résistance ou la valeur de l'entrée à pieds joints dans la démarche. L'idée, c'est simplement que ces personnes qui viennent en aide aux étudiants, étudiantes, aux enseignants, enseignantes, doivent gérer aussi des éléments qui découlent de cette crise. Et finalement, ce que l'on peut appeler les leaders pédagogiques, c'est-à-dire les personnes qui prennent des décisions qui ont un impact sur la mission pédagogique de l'université, que ce soit au niveau de la présidence, au niveau des unités académiques de l'institution, au niveau de la direction de programmes d'études, et ainsi de suite, ben ces gens-là participent à la gestion d'un projet éducatif de longue haleine. L'université, ce n'est pas un truc que l'on crée pour environ 6 mois. C'est une institution qui doit perdurer dans le temps et qui s'adapte aux besoins, mais qui est aussi une institution qui préserve certaines valeurs académiques ou standards académiques qui, eux, correspondent justement à du long terme. Mais ces gens-là reçoivent des injonctions qui découlent plutôt du court terme et en fait doivent prendre des décisions qui relèvent aussi davantage du court terme. Donc c'est un bouleversement pour ces personnes-là aussi. Finalement, si on est vraiment dans cette logique de faire face à la situation avec un regard plutôt de transformation pédagogique que de continuité pédagogique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, plutôt que de miser sur la continuité pédagogique et soutenir des ajustements de faible portée en espérant que le tout revienne à la normale un jour ou l'autre, peut-être qu'il serait préférable de miser sur la transformation pédagogique et soutenir le développement des personnes impliquées, les divers acteurs que je mentionnais à l'instant, en se disant que la situation que l'on vit à l'heure actuelle, c'est peut-être la nouvelle normale, c'est peut-être ça notre nouvelle réalité. Et que justement, on n'a pas le choix de sauter à pieds joints dans cette situation-là et de miser sur une transformation pédagogique qui est beaucoup plus sur le long terme que simplement la réaction à court terme à ce qui se passe. Donc finalement, si on revient à ces personnes impliquées, qu'est-ce que ça veut dire en termes de passer de la continuité à la transformation pédagogique, mais déjà pour les étudiants, ça veut dire soutenir le développement de leur autonomie d'apprenant. Alors on disait tout à l'heure qu'on a des étudiantes et des étudiants qui sont assez souvent en situation de précarité en matière d'apprentissage. Donc comment je fais pour les aider à développer leur autonomie d'apprenant alors qu'ils vont travailler beaucoup plus sans être directement accompagnés par un enseignant ou une enseignante, et les faire travailler soit seuls, soit en groupe? Comment je fais pour rétablir aussi ce lien social alors que les gens sont peut-être pas nécessairement présents physiquement, si l'on sait que ce lien social est important? Pour les enseignantes et les enseignants, ben alors soutenir leur développement, le développement de ce que moi j'aime bien appeler leur résilience pédagogique, c'est-à-dire leur capacité à s'adapter aux changements qui affectent leur scénario pédagogique. Quand les gens développent des nouvelles compétences ou des nouvelles connaissances à l'égard de l'enseignement et de l'apprentissage à l'université, ils peuvent très bien s'enfermer dans des postures et dans des façons de faire qui fonctionnent à un instant T, pendant un certain nombre d'années ou de mois. Mais le jour où cette situation-là fonctionne plus, et la personne se retrouve en situation de novice parce qu'elle ne sait pas gérer la nouvelle situation qui se présente, ça c'est assez difficile. Donc justement, comment on fait pour accompagner les enseignants, les enseignantes à développer leur capacité d'adaptation, leur façon de reconnaître dans les nouvelles situations des opportunités de changement, de mise en œuvre, de stratégies dont ils ont déjà ou elles ont déjà entendu parler, qui pourraient les aider à s'adapter, si on veut, à cette nouvelle réalité.
les personnes qui viennent en aide donc aux étudiants et aux enseignants, soutenir le développement de leur expertise de conseil, hein, parce que ces gens-là sont dans une logique de conseil, d'accompagnement, donc soutenir le développement de leur expertise par l'échange de pratiques éprouvées. Les conseillers, conseillères pédagogiques qui peuvent se rencontrer et discuter de façons d'accompagner un enseignant, une enseignante qui est peut-être pas très intéressé à faire évoluer son scénario pédagogique, mais qui se retrouve dans une situation où on n'a quasiment pas le choix. Comment je fais pour amener la personne à évoluer dans sa posture, à accepter de mettre en œuvre des nouvelles façons de faire et justement s'inspirer de cas vécus qui ont bien fonctionné, mais aussi des cas qui ont peut-être moins bien fonctionné, pour tirer des conclusions qui deviennent un matériel commun à l'ensemble de cette communauté de pratique. Et finalement, pour les leaders pédagogiques, j'ai envie de dire soutenir le développement de leur vision stratégique pour les aider à travailler plutôt dans l'anticipation de ce qui vient, plutôt que dans la simple réaction à ce qui se passe maintenant. Alors, bien entendu, on n'avait pas anticipé l'ensemble des changements que l'on a vécu lors du dernier semestre académique, sauf que maintenant, on sait que c'est là. Alors, il faut commencer à se dire, à se poser des questions, comment on va faire si cette situation perdure? À long terme, comment on va transformer nos activités d'enseignement et d'apprentissage pour pouvoir répondre à cette nouvelle réalité? Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça suscite un petit peu d'interrogations, de réactions, de questions. Je crois que vous allez avoir un moment entre vous pour en discuter. J'ai discuté avec Antoinette et lui ai proposé donc de prendre des questions qui parviendront de façon asynchrone, hein, de façon différée, parce que j'ai une série de séances de travail toute la journée desquelles je ne peux m'extraire. Et en fin de journée, je pourrai répondre à certaines de ces questions-là. Et donc, vous aurez accès à ces réponses si vous le souhaitez. Je vous laisse aussi mes coordonnées personnelles si jamais vous avez des questions plus personnelles ou spécifiques et puis vous avez envie de m'écrire pour me les poser. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée de discussion et une excellente rentrée académique 2020-2021, placée sous le signe de la transformation pédagogique, je l'espère. Et en vous souhaitant la meilleure des chances, j'espère avoir de vos nouvelles dans les heures qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, et ainsi de suite. Au plaisir. Au revoir. Ça, je sais que c'est une question qui est très fondamentale en France, la question de la démocratisation et la question de l'élitisation. Mais il faut déjà se poser la question de savoir, est-ce que de permettre à tout le monde d'entrer dans une salle de classe, est-ce que c'est vraiment de permettre à tout le monde d'arriver jusqu'au bout? Et en fait, je vous dirais que la réponse est non. Plus on élargit le spectre de gens qui entrent à l'université et qui ont peut-être moins de compétences, plus on doit leur fournir des accompagnements qui vont leur permettre d'arriver jusqu'au bout. Et j'ai envie de dire que c'est la même chose qui se passe avec le nouveau scénario pédagogique où on va devoir travailler en ligne. C'est-à-dire qu'on va devoir mieux accompagner nos étudiants, de mieux encadrer le travail qu'ils font à l'extérieur, de façon à ce que ceux qui sont les moins ou celles qui sont les moins outillées pour réussir par eux-mêmes ou par elles-mêmes, ben, auront les mêmes opportunités que les autres. Donc on sort un peu de la logique du concours où on fait simplement mettre les gens dans un endroit et on se dit, ben voilà, tout le monde a une chance et puis on verra le résultat. Où finalement on se dit, on met les gens dans un endroit, mais on se dit quels sont ceux qui ont le besoin de plus d'aide, et c'est avec ceux-là qu'on va travailler le plus, les autres auront moins besoin d'accompagnement. Et en fait, dans nos scénarios pédagogiques, c'est ce qui va arriver généralement, c'est qu'on va devoir prévoir passer plus de temps avec ceux qui auront plus de difficultés à atteindre les objectifs par eux-mêmes ou par elles-mêmes. Alors déjà, l'interactivité et les échanges spontanés en distanciel, j'ai envie de dire, mais dans quelle mesure est-ce que l'on fait de l'interactivité et des échanges spontanés en présentiel? Normalement, la question de l'interactivité et des échanges des étudiants
fera partie de mon scénario pédagogique. C'est-à-dire que je vais savoir à quel moment j'ai besoin que les étudiants interviennent de façon à ce qu'ils puissent me donner une preuve de leur niveau de compréhension, de leur niveau d'atteinte des compétences visées dans l'enseignement. Et c'est là que, si je transpose à distance cette logique de scénario, je vais devoir réfléchir à quel moment je vais placer les étudiants dans une situation où ils vont pouvoir me faire la preuve de leur niveau de compréhension. Alors c'est vrai que là, je vais devoir fonctionner différemment, mais faisons un parallèle avec le présentiel. Dans le présentiel, une ou un étudiant prend la parole pour répondre à une question, vous avez une preuve que cet étudiant ou cette étudiante-là peut répondre à la question, mais vous n'avez pas de preuve que les autres sont capables de le faire. Par contre, si je demande aux étudiants de prendre un moment et de réfléchir individuellement pour ensuite discuter de leurs réponses avec un groupe de 3 collègues, pour ensuite comparer les réponses de ce groupe de 4 collègues avec un autre groupe de 4 collègues, ce qu'on appelle en la méthode anglophone du think, pair, share, donc du penser, comparer, partager, en fait, je peux réorganiser ce genre de scénario à distance et demander aux étudiants de préparer des réponses à certaines choses, prévoir des moments où ils travaillent en sous-groupe entre eux, et puis rencontrer ces étudiants-là à un moment avec une douzaine, une vingtaine d'étudiants à distance, et là, de discuter avec eux et d'organiser et de gérer la prise de parole. Donc encore une fois, on va devoir gérer cette prise de parole tout comme on devrait le faire en présentiel, alors qu'on a tendance en présentiel à se dire, ben voilà, il y a des gens qui parlent et d'autres qui ne parlent pas. Des pistes pour conduire le changement. Là, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'un modèle du changement qu'on apparente parfois à celui de la voiture en panne. Alors imaginez que vous avez un groupe de gens qui sont dans une voiture ou dans un véhicule et qui tombent en panne. Ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir des gens qui vont très rapidement sortir de la voiture en disant « mais je sais qu'est-ce qu'il faut faire, il faut tirer » et qui sont prêts à tirer. Alors vous, votre rôle à ce moment-là, c'est de vous assurer que les gens qui sont hyper enthousiastes et qui veulent tirer savent dans quelle direction ils doivent tirer. Un autre groupe de gens sont ceux qui vont sortir de la voiture et qui vont dire « ouais, je pense qu'il va falloir faire quelque chose », mais qui vont probablement se retrouver à l'arrière de la voiture et puis qui vont pousser, si vous êtes là, pour les encourager à pousser. Alors ces gens-là, vous allez devoir les cadrer, les encourager, leur montrer pourquoi ça va être utile qu'ils participent à l'effort. Et puis finalement, vous allez avoir un groupe de gens qui vont pas vouloir descendre de la voiture, qui vont avoir peur et qui vont dire « Ah non, moi je reste ici et surtout je mets le pied sur le frein parce que là, étant donné qu'on n'a plus de moteur, il faut pas que le véhicule bouge. » Et là, votre mission auprès de ces gens-là, c'est de les rassurer en leur disant « Écoutez, on a des gens devant qui tirent, on a des gens derrière qui poussent, donc la seule chose qui peut arriver, si vous enlevez le pied du frein, c'est qu'on avance dans la bonne direction. » Donc en fait, je vais vous demander de rester dans la voiture si vous voulez, mais simplement d'enlever le pied du frein. Et en fait, c'est la même chose dans la conduite du changement, c'est qu'on va devoir identifier ceux qui sont hyper enthousiastes et qui ont envie d'avancer et les canaliser pour éviter que ces gens-là fassent peur aux autres. Il y a un autre groupe qui sont ceux qui font un petit peu de résistance passive et qui ne sont pas nécessairement enclins. On va devoir essayer de trouver des façons pour les encourager à aller de l'avant, à la hauteur de leur investissement, ce qu'ils sont prêts à investir comme effort. Et il y a des gens qui font de la résistance par peur, par crainte. Et ces gens-là, ben, on va devoir les canaliser aussi en leur donnant une tâche très, très précise. Dans ce cas-ci, je peux leur dire, alors si jamais vous voyez qu'on part dans le mauvais sens, ben, alors c'est le moment d'appuyer sur le frein. Alors ce que je ferai dans un groupe, c'est de dire à ces gens-là, je vais vous demander d'aller dans le sens du groupe, de vous laisser porter. Et si jamais vous voyez qu'il y a un danger ou autre, ben, vous venez m'en parler à moi. Mais ça implique qu'il y ait un leadership pédagogique pour gérer ce changement. Vous voyez, donc en fait, le leadership pédagogique, ce n'est pas juste la responsabilité du président ou de la présidente de l'université. C'est un peu une responsabilité distribuée. Mais ce qui n'est pas nécessairement facile à faire dans une organisation comme les nôtres. Si on parle de précarité financière, ben c'est dramatique, bien entendu, parce qu'on demande à des gens de se dévouer à 100% à des études, alors qu'on va leur demander aussi de vivre dans des conditions socio-économiques qui sont inacceptables au plan des standards nationaux. Donc là, c'est évident qu'il faut suivre avec des bourses, il faut suivre avec des modes de financement qui leur permettent d'étudier.
Mais je pense que ça illustre un autre phénomène qui est que le modèle traditionnel de l'université où l'étudiante et l'étudiant étudient à temps complet, 40 heures par semaine, pendant 15 semaines, pendant une année académique, est de plus en plus dépassé. Les derniers chiffres que j'ai vus en France faisaient état d'à peu près 2/3 d'étudiants de première année de licence qui avaient un emploi ou des activités personnelles, familiales, qui en fait empiétaient sur ce bloc de 40 heures d'études par semaine. Ce qui fait que le modèle traditionnel de l'étudiant-étudiante à temps complet est un peu en train de s'effacer au profit de ce que l'on appelle parfois la flexibilisation des études, où l'on va permettre aux étudiants, aux étudiantes d'effectuer la licence de 3 ans en 4 ans, en 5 ans, en 6 ans même. Parce que si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on fait des accommodements. On permet à des gens finalement de ne pas être en classe, de ne pas participer à telle activité et autres. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on réduit les heures dédiées à l'apprentissage et donc inévitablement, on est en train d'abaisser le niveau d'exigence. Donc la flexibilisation permet aux gens qui ont des contraintes temporaires de poursuivre leurs études, mais sans que l'on ait à abaisser le niveau d'exigence de la formation. Bonne question. Alors moi, je me pose encore la question de savoir comment se fait-il que l'on ait toléré ce mode d'enseignement-là, alors que les recherches en psycho de l'apprentissage nous montrent depuis fort longtemps que ce n'est pas la méthode qui fonctionne le mieux avec la majeure partie de nos étudiants. C'est la méthode qui fonctionne très bien avec les futurs enseignants universitaires, hein, les futurs enseignants-chercheurs, des gens qui sont capables de se poser des questions, d'analyser ce qu'on est en train de leur dire, de comparer avec des choses qu'ils connaissent déjà, de faire des liens, d'évaluer des propositions, des alternatives. Alors, l'étudiant, l'étudiante lambda est généralement pas dans cette catégorie-là en raison de sa faible expérience personnelle ou professionnelle ou encore de sa faible maturité d'apprenant ou d'apprenante, c'est-à-dire ne pas avoir développé des façons d'apprendre qui lui permettent d'aller dans ce qu'on appelle l'apprentissage en profondeur. Alors, soutenir la résilience pédagogique de ces gens-là, je dirais que la première chose à faire, c'est probablement de les amener à prendre conscience que le mode d'enseignement qu'ils utilisent n'est pas efficace pour la majeure partie des étudiants qu'ils ont devant eux. Ensuite, de leur montrer qu'il existe des alternatives qui ne sont pas si compliquées à mettre en place, hein. Je dis souvent aux gens, enseigner de façon interactive, ce n'est pas nécessairement d'employer des méthodes différentes. C'est souvent une façon de penser mon enseignement. Je peux très bien faire de l'exposé magistral, mais si je commence par afficher une question à l'écran en disant aux étudiants, aux étudiantes, ça c'est une question à laquelle j'aimerais que vous soyez capable de répondre dans environ 20 minutes, quand j'aurai parlé pendant 20 minutes, et donc réfléchissez à ce que je vous explique en essayant de répondre à cette question-là. Ils ne sont pas du tout dans la même posture que si je n'affiche pas cette question et que je me mets à parler pendant 20, 30, même plus minutes. Donc je vais les préparer à entrer dans ce mode de réflexion. Donc il y a un ensemble de petites choses qu'ils peuvent faire pour essayer d'amener les enseignants à évoluer vers d'autres façons d'enseigner, même si leurs croyances les amènent à persister avec un mode d'enseignement en particulier. Alors là, c'est vrai qu'on a un souci de gestion du changement institutionnel. J'ai des collègues américains qui racontent souvent la boutade suivante, c'est-à-dire que faire évoluer une université, c'est aussi difficile que déménager un cimetière parce que les personnes concernées participent autant. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un niveau d'apathie dans l'enseignement supérieur où certains collègues ont choisi ce métier simplement pour la recherche, ou plutôt pour la recherche que l'enseignement, et essaient au plus possible de s'investir seulement dans la recherche et très peu dans l'enseignement. Et donc, mettre en place des transformations pédagogiques, ce qui requiert du temps, ce qui va inévitablement empiéter sur mes heures dédiées à la recherche, ce n'est pas nécessairement très attrayant pour tous. Alors là, on remonte à des éléments beaucoup plus systémiques, hein, à savoir comment reconnaît-on
l'équilibre entre les différentes missions de l'enseignant-chercheur. Est-ce que finalement la promotion basée seulement sur la recherche représente vraiment la réalité du travail de l'enseignant-chercheur? Moi, je sais que dans l'université où je suis et dans plusieurs universités où j'ai travaillé, les promotions reposaient non seulement sur la recherche, mais aussi sur l'ensemble des services, l'ensemble des missions académiques de l'enseignant, c'est-à-dire à la fois l'enseignement, la recherche et le service. Le souci, c'est que c'est très difficile d'évaluer la qualité de l'enseignement, la qualité du service administratif. Par contre, la recherche, on a développé des outils. On a les publications, le nombre de publications, on a le fameux facteur d'impact de la publication, même si on se rend compte que c'est un truc qui est complètement déformé ou qui déforme la réalité. Je prends l'exemple dans mon domaine, certaines publications qui sont extrêmement citées le sont en fait pour les mauvaises raisons, parce qu'il y a des erreurs méthodologiques dans ces publications-là. Donc finalement, on utilise ce que l'on a sous la main, et il semblerait que ce que l'on a sous la main, ce qui est plus facile, c'est justement des éléments liés à la recherche. Donc là aussi, ça implique de revoir de façon plus générale comment on conçoit la carrière de l'enseignant du supérieur et comment on conçoit l'évaluation de cette carrière-là et de cette progression dans la carrière. Pour créer de la coopération intra-groupe, déjà, il faut qu'il y ait ce que l'on appelle en psychologie sociale une forme d'interdépendance complexe. C'est-à-dire tous les étudiants dépendent de tous les étudiants dans le groupe. La plupart du temps, quand on fait faire un travail de groupe aux étudiants, on leur donne une tâche qui peut être saucissonnée. Alors certains disent « moi je prends telle partie, toi tu prends telle partie » et à la fin on met tout ensemble. Sauf que si on veut vraiment que les gens travaillent en groupe, on va devoir leur proposer des actions où chacun va devoir aller chercher des informations par lui-même ou par elle-même pour pouvoir ensuite les enseigner, les présenter aux collègues. Donc on crée cette forme d'interdépendance complexe-là. Alors typiquement, ce que l'on peut faire, c'est poser aux étudiants une question générale ou un problème général et les aider à diviser le problème en quatre parties, mais qui sont bien entendu des parties qui sont interreliées, et en leur disant, ben voilà, une personne va essayer de répondre aux questions suivantes, une autre personne va essayer de répondre aux questions suivantes, et ainsi de suite. Mais ensuite, pour répondre à la question principale, vous allez avoir besoin des informations que chacun, chacune aura glanées de son côté. Là, on est en train de créer de l'interactivité ou de l'interaction intra-groupe avec une interdépendance complexe. Mais ça demande énormément de réflexion en amont, se dire qu'est-ce que je vais demander aux étudiants, qui va être une tâche qui leur paraît pas artificielle, qui va être vraiment intéressante et qui va leur permettre de contribuer à la réalisation de la tâche collective. Alors ça, pour plus de détails là-dessus, n'hésitez pas à demander, à poser des questions aux collègues qui sont conseillers pédagogiques, mais dans certains ouvrages de pédagogie universitaire, entre autres dans ceux sur lesquels moi j'ai travaillé, on donne certains exemples un petit peu plus en détail de scénarios pédagogiques qui permettent de faire ça. L'autonomie de l'étudiant, elle commence en fait à la maison. Alors, je ne vous cacherai pas que si la personne, pendant toutes ces années d'études pré-universitaires, on a organisé son temps à elle et à aucun moment on l'a aidé à trouver des façons de s'organiser, eh ben c'est évident que vous allez avoir des gens qui vont arriver chez vous et qui ne seront pas nécessairement en mesure d'organiser leurs études et d'organiser leur travail de façon à être autonome. Alors c'est pour ça que la plupart du temps les services dédiés à l'orientation des étudiants et au soutien à l'apprentissage organisent des activités en début d'année pour donner des repères aux étudiants. Mais j'ai envie de dire aussi, à votre niveau, en tant qu'enseignant, enseignante, il ne faudrait pas sous-estimer le pouvoir des exemples de méthodes que vous pouvez donner aux étudiants. Alors, sans perdre de vue le fait que vous n'êtes probablement pas représentatif ou représentative des gens qui sont devant vous parce que vous êtes devenu enseignant-chercheur, vous pouvez leur donner des exemples de méthodes de travail.
de leur dire, ben voilà, une façon de fonctionner par rapport à ça, ce serait de le faire de telle façon. Ou une autre façon qui pourrait aussi fonctionner serait la suivante. Une autre logique que vous pouvez appliquer, c'est justement de demander aux étudiants, de prendre des moments et de demander aux étudiants d'expliquer comment ils travaillent. Comment ils sont organisés dans leur travail pour arriver à un résultat ou comment ils pensent s'organiser en vue d'un travail qui est à réaliser. Et de passer un moment sur ce qu'on va appeler le processus d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a tellement tendance dans l'enseignement supérieur, puisqu'on est à l'université, que c'est sérieux, à se concentrer sur le contenu, qu'on néglige parfois le processus. Et il ne faut pas oublier que les étudiants qui sont devant nous, les étudiantes, on est en train d'une certaine façon de les socialiser à apprendre dans une culture disciplinaire, hein, moi dans le domaine de la psychologie, vous dans vos domaines respectifs. Donc en fait, les étudiants ont jusqu'à présent appris de façon générale, toutes disciplines confondues, et maintenant on essaie de les aider à apprendre et à développer des compétences intellectuelles propres à une discipline. Donc il ne faut pas éviter de leur donner des exemples. Typiquement, moi je vais leur dire, vous savez, en psycho, ce qui est important, c'est de faire la différence entre la validité scientifique d'une approche psychologique et ma posture personnelle, ce que moi je pense par rapport à celle-ci. De sorte que un psychologue, normalement, doit pouvoir soigner n'importe quel type de patient avec la meilleure approche psychologique disponible, plutôt que de toujours choisir l'approche qui lui semble la meilleure ou que lui préfère, indépendamment de la situation. Donc ça, c'est une façon de travailler, une façon de développer la compétence intellectuelle qui est assez importante à développer chez les étudiants. Alors là, on fait une incursion du côté peut-être plus psychologique, personnel que pédagogique, mais c'est vrai que la capacité d'adaptation, c'est un truc qui est assez important. Le grand physicien britannique Stephen Hawking, qui était dans une situation assez particulière au plan santé, disait que l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter au changement. Et en fait, le souci, c'est ça, c'est qu'on a parfois l'impression que pour performer, on doit contrôler notre environnement et contrôler les conditions qui vont nous permettre d'être le meilleur possible ou la meilleure possible dans une situation donnée. Alors que finalement, quand on intègre l'idée que l'excellence, c'est peut-être de faire de son mieux dans les conditions qui me sont fournies. Je change ma posture face au changement et je suis dans une logique de plus de résilience pédagogique où je me dis, mais finalement, qu'est-ce que la situation actuelle me permet de faire et comment je pourrais l'exploiter au mieux? Et donc, sa capacité d'adaptation, c'est en fait peut-être de revoir, les anglo-saxons appellent l'idée « reframing », donc recadrer, en fait regarder par une nouvelle lucarne la situation qui est devant nous, plutôt que de la regarder avec la lucarne existante qui nous offre seulement certaines possibilités. Je peux difficilement aller plus loin parce que là, on entre dans une situation qui est très propre à chaque personne et il faudrait voir la situation de chacune des personnes, quelles sont ses façons d'appréhender le changement et puis quelles sont les dimensions de son contexte, mais c'est tout ce que je vous dirais à ce stade par rapport à cette dimension-là. Alors justement, je crois que la réponse est dans la question, c'est-à-dire qu'on dit visioconférence. Alors à quoi servent des outils tels que Zoom ou autres? C'est mettre des gens ensemble dans un espace virtuel, alors que ces gens se seraient réunis dans un espace physique, si on veut. Alors, un outil de visioconférence, qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de faire l'équivalent d'un enseignement présentiel synchrone. À la rigueur, on peut le synchrone, donc en direct. À la rigueur, on peut l'enregistrer, ce qui nous permet tout à coup de faire un différé. C'est un peu comme si on avait enregistré une réunion physique entre collègues et que la collègue ou le collègue qui n'était pas présent pourrait visionner ou écouter cette réunion-là. Maintenant, c'est bien entendu, c'est très limitant en termes d'enseignement. C'est comme si on disait, finalement, l'apprentissage, lorsqu'on fait du présentiel, ben, l'apprentissage, il a lieu seulement à partir du moment où le prof parle dans un amphi et que les étudiants sont tous présents.
Mais on sait très bien que les étudiants et étudiantes, bah, ils peuvent apprendre à l'extérieur de l'amphithéâtre, à l'extérieur de ce moment de présentiel. Donc en fait, je ne peux pas utiliser simplement Zoom ou la visioconférence comme mon outil pour compenser l'absence de présentiel. Je vais devoir en fait développer ce que l'on aurait probablement dû faire depuis un certain temps avec des logiques comme celle de la classe inversée ou autre, où finalement on demande quand même du travail préparatoire aux étudiants en amont des moments présentiels et on leur demande du travail en aval de ces moments présentiels. Alors bien entendu, la préparation en amont, en aval peut être faite en sous-groupe entre collègues, elle peut être accompagnée ou non de l'enseignant. Mais ici, la question, ça va être quand je vais utiliser la visioconférence en mode direct ou différé, synchrone ou asynchrone, en fait, elle va servir à quoi cette visioconférence? Et comment elle va s'insérer dans mon scénario pédagogique plus global? Qu'est-ce que les étudiants et étudiantes auront fait avant et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Donc, il ne faut pas non plus, j'ai envie de dire, les fonctionnalités et ce que la visioconférence nous permet de faire ne devraient pas limiter l'expérience apprenante des étudiants ou devrait pas non plus limiter l'enseignement que la personne peut donner. Alors, dans la première série de questions, je vous parlais un peu des profils de gens à l'égard du changement, de la propension de certains à être dans la résistance et de ce que la personne qui exerce un leadership pédagogique peut faire à l'égard de ces gens-là. Là, ici, si on aborde la question sous l'angle du collègue ou de la collègue qui essaie de faire bouger un peu ses collègues, sachant que, en fait, j'ai aucun levier sur mes collègues, parce que, bien entendu, il n'y a pas de levier hiérarchique, et en même temps, il n'y a pas de levier lié à la légitimité, parce qu'on a tendance à croire que, finalement, la parole de chacun au sujet de la pédagogie universitaire, est aussi valable, sauf que, vous savez comme moi que certaines personnes ont lu beaucoup plus de choses, ont une meilleure compréhension de ce qui se passe dans la tête des étudiants quand ils apprennent en raison de la recherche empirique qui est faite là-dessus et que les gens ont consulté. J'ai envie de dire le truc qui fonctionne assez bien quand les gens sont dans une logique de résistance, c'est ce que j'appelle les questions naïves, c'est-à-dire de poser des questions auxquelles vous connaissez probablement la réponse déjà. Et des réponses qui sont assez évidentes, mais que la personne à qui vous vous adressez ne s'est peut-être pas posée elle-même. Typiquement, la personne qui ne veut pas évoluer et qui vous dirait moi je ne perds pas mon temps, moi je fais de l'exposé magistral, et puis étant donné que je n'ai pas les étudiants, ben alors j'enregistre un PowerPoint et puis regarde ça tout seul, et puis c'est tout ce que je fais, je ne vais pas plus loin. Alors, la question naïve à ce moment-ci, ça pourrait être de dire: ah oui, c'est intéressant comme approche d'enseignement, mais finalement, quelle est la compétence que tu vises chez les étudiants dans le cadre de scénarios pédagogiques? C'est-à-dire que qu'est-ce que les étudiants et les étudiantes seraient en mesure de faire après avoir visionné ta conférence qu'ils ou elles n'étaient pas en mesure de faire avant? Alors bien entendu, vous connaissez la réponse, c'est que probablement que les étudiants ne sont pas capables de faire grand-chose après avoir écouté quelqu'un pendant 1 heure raconter des histoires. Et là, c'est là que l'enseignant va vous dire probablement, mais en fait, j'ai envie qu'ils soient capables d'analyser des problèmes par eux-mêmes à l'aide des outils que j'aurais présentés. Et là, tout à coup, en posant cette question-là, la personne va probablement, ou en donnant cette réponse-là, la personne va probablement elle-même se rendre compte que finalement, ouais, le lien entre ce que je fais et le résultat attendu chez les étudiants, il y a quand même un fort écart, un grand écart entre les deux. Ce qui fait que peut-être que je devrais faire quelque chose pour réduire cet écart. Donc en fait, peut-être que c'est vrai, je devrais peut-être non seulement leur expliquer, mais aussi leur demander de résoudre en petit groupe un problème donné ou une situation qui va leur permettre justement d'utiliser les outils que je viens de faire avec eux. Et là, la personne va probablement se dire aussi, mais finalement, s'ils le font en direct comme ça et que je ne suis pas avec eux pour les aider, comment je fais pour savoir à quel moment ils ne comprennent pas, à quel moment ils ont besoin d'aide? Donc peut-être qu'on va devoir les mettre en situation où je les accompagne dans la réflexion. Et en fait, par une simple question naïve,
Vous venez j'ai envie de dire, de faire une brèche dans la muraille que le collègue ou la collègue avait dressée sur, à l'égard de sa méthode pédagogique, voulant qu'elle fonctionne très bien et puis que je ne me sois jamais posé de questions par rapport à ça. Donc, faire appel à ces questions naïves, pas des questions qui vont donner l'impression que vous êtes plus que naïf ou naïve, mais vraiment, au contraire, des questions qui montrent bien que vous, vous êtes posé des questions assez profondes, mais que vous êtes curieux de savoir où en est votre collègue par rapport à cette réflexion. Alors, attention aussi de ne pas utiliser des termes trop jargonneux que la personne ne comprendra pas, parce que si vous lui dites « mais j'aimerais savoir quelle est ta conception épistémologique du savoir de l'étudiant dans une situation de conflit socio-cognitif, puisque dans l'exposé magistral, tu fais très peu appel à ce mode d'enseignement. » Alors là, la personne risque de vous tourner le dos et de partir. Mais si vous lui posez une question naïve avec des termes simples, où vous voulez, la personne vraiment a le sentiment que vous voulez savoir qu'est-ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait, ça devrait fonctionner. Alors, j'ai envie de remonter un petit peu à la théorie en psychologie sur la motivation. Et on dit généralement, alors il y a bien entendu, c'est très complexe, mais si je grossis le trait, la motivation dépend de trois variables. Première variable, c'est dans quelle mesure est-ce que je me sens compétent pour faire ce qu'on me demande de faire. La deuxième variable, c'est dans quelle mesure est-ce que je vois l'utilité de ce que l'on me demande de faire. Et troisième variable, c'est dans quelle mesure est-ce que je contrôle ce qui m'arrive, ce qu'on appelle la contrôlabilité ou la perception de contrôle. Et en fait, le souci, c'est que c'est un peu comme une multiplication, c'est-à-dire que si l'une ou l'autre de ces variables est proche de zéro, ça donnera zéro. Donc si la personne ne se sent pas compétente pour faire ce qu'on lui demande de faire, motivation zéro pour changer, si la personne ne voit pas l'utilité de le faire, motivation de zéro pour changer, et si la personne a le sentiment qu'on lui impose le changement, motivation zéro pour le faire. Donc en fait, on va devoir jouer sur ces trois tableaux. Essayer d'amener les gens à comprendre pourquoi ce serait important de faire évoluer nos pratiques enseignantes. Ensuite, de les amener à voir qu'est-ce que ça peut leur apporter. La question que j'aime souvent poser aux enseignants qui sont dans une posture ou de peut-être pas vouloir changer réellement, je leur dis souvent, mais est-ce que j'imagine que vous aimeriez bien tous les jours aller au travail et vous dire « chouette, j'ai une heure avec les étudiants dans un amphi de 300 aujourd'hui et je me réjouis de passer cette heure avec eux ». La plupart du temps, les gens qui sont dans une résistance au changement se retrouvent dans des situations de difficultés professionnelles, c'est-à-dire que la situation ne leur plaît pas, mais étant donné qu'ils ne savent pas comment s'en sortir, souvent on va attribuer à des conditions externes la cause de nos malheurs, ce qu'on appelle la théorie de l'attribution externe. Et donc je vais avoir tendance à dire c'est à cause des étudiants, ils sont trop nuls, c'est à cause de la direction qui ne me donne pas assez d'heures, c'est à cause de la classe où on est, c'est juste pas possible, c'est parce qu'au bac ils n'ont pas fait assez de sélection, et ainsi de suite. Et là, en fait, l'idée de se dire, mais finalement, moi, c'est ça mon boulot, avec ces gens-là. Et puis, si j'avais envie ou si j'avais la possibilité de faire en sorte que le matin, quand je me lève et que je viens enseigner à l'université, j'ai envie de le faire, qu'est-ce que j'aimerais changer? Et c'est là, souvent, qu'on va chercher cette dimension de la variable de quel est l'intérêt ou la valeur pour moi de faire évoluer. Et puis la dernière variable, celle de la perception de contrôle ou de la contrôlabilité, c'est de donner un choix aux gens. Si je dis à quelqu'un « tu dois changer », la personne, elle a deux choix, soit dire oui, soit dire non. Si je dis à quelqu'un « tu sais, dans une situation comme celle que tu rencontres, il y a quelques possibilités dont j'ai entendu parler. Il y a le scénario A, il y a le scénario B, il y a le scénario C. » Et que la personne se dit « ah ouais, finalement, scénario C, c'est pas mal. » En fait, elle a l'impression de contrôler ce qui lui arrive parce qu'elle choisit le scénario, mais en fait, elle ne contrôle pas. Elle est en train de changer parce qu'on l'a encouragée à changer. C'est ce qui fait parfois les gens disent que c'est de la manipulation, mais en fait, il ne faut pas perdre de vue qu'en psychologie,
Selon certaines approches psychologiques, ça relève de ce que l'on appelle la manipulation bienveillante. Amener la personne à prendre conscience de certaines choses, amener la personne à changer, au-delà des obstacles ou des verrous qu'elle avait établis elle-même pour s'empêcher de changer. Oui, en fait, vous êtes en train de dire, voilà les conditions logistiques dans lesquelles j'essaie de développer mon scénario, limite les possibilités de ce que je fais, et le meilleur scénario que j'ai pu envisager dans ces conditions-là, c'est le suivant. Alors, c'est très bien de tout enregistrer, c'est très bien de leur demander de faire des devoirs que vous corrigez régulièrement. Vous pourriez aussi leur poser des questions, leur donner quelques tâches où en fait ils vont regarder la vidéo entre eux et ils vont essayer de comprendre certains aspects ou analyser certains aspects pour en discuter entre eux. Parce que déjà, le fait de devoir expliquer à un collègue ce qu'une personne a mal compris ou ce que l'autre a compris différemment m'aide à affiner ma compréhension. Et là, en fait, c'est simplement de réfléchir à qu'est-ce que j'arrive à faire en différé avec eux, en direct, qu'est-ce que je leur fais faire individuellement, qu'est-ce que je leur fais faire en sous-groupe, à quel moment et pourquoi je leur fais faire. Alors ça, c'est assez intéressant parce que le semestre dernier, beaucoup d'universités ont, j'ai envie de dire, pour employer des termes scientifiques, ont loupé le coche sur cette question et se sont retrouvés avec des étudiants complètement dépassés par les événements, qui abandonnaient parce que pour eux, l'expérience d'apprentissage, il est vrai qu'elle avait baissé d'un cran en termes de qualité et ils ne savaient pas trop comment se débrouiller dans ce genre de situation. Donc certains ont préféré abandonner. D'autres même, à la rentrée, se disaient « mais moi, je vais plutôt prendre une année sabbatique, faire autre chose cette année qu'aller étudier dans ce contexte en espérant que ça redevienne à la normale. » Alors, ce que l'on peut faire pour le lien social, c'est, en fait, on pourrait l'envisager un peu comme des cercles concentriques ou un peu comme un oignon avec les plures d'oignon. C'est-à-dire, au cœur de l'oignon, qu'est-ce qui est primordial pour les gens? C'est probablement du lien social qui leur permet de mieux comprendre dans les cours, de s'aider mutuellement dans la compréhension. On a peut-être un deuxième niveau de lien social qui relève plutôt de l'expérience dans les programmes d'études. Les étudiants qui se posent des questions sur comment donner du sens aux diverses activités qu'ils ont à leur horaire de la semaine, aux liens à faire entre les cours d'une année à l'autre ou d'un semestre à l'autre. Et puis un troisième niveau qui est plutôt, en allant vers l'extérieur toujours, là, qui est plutôt l'expérience d'apprentissage, c'est-à-dire « ouais, mais finalement, on nous a dit qu'il y a des ressources en ligne, mais je ne sais pas comment les utiliser. On nous a dit qu'on pouvait faire appel à telle ressource, on pouvait travailler de telle façon. » Et là, les étudiants et les étudiantes s'entraident au niveau de cette expérience générale d'apprentissage. Et puis finalement, le simple lien social de pouvoir s'encourager mutuellement, de savoir que finalement je suis pas le seul à trouver ça difficile, de prévoir des moments où il y a des activités socioculturelles qui me permettent de débrancher, même si je suis à distance, où on peut en fait organiser des moments qui sont pas du tout dédiés aux études, mais qui permettent de rester en contact. Certaines universités organisent, à titre d'exemple, des ateliers de méditation virtuelle pour les étudiants ou encore des séances de débriefing, un peu comme dans les situations post-traumatiques, où les étudiants parlent des difficultés rencontrées, des stratégies mises en place, et ainsi de suite. Et ça, dans les premiers niveaux que j'évoquais tout à l'heure, on est peut-être plus dans le domaine de compétences des enseignants, des enseignantes, alors que les niveaux un peu plus extérieurs, qui sont un peu plus génériques, là on est peut-être plutôt dans le domaine de responsabilité des universités et des services universitaires de soutien aux étudiants. Vous savez, l'université, il y a 800 ans, c'était pas du tout l'université qu'on a aujourd'hui. Et ça s'appelait université. Je pense qu'il faut être au clair sur le fait que l'université évolue en fonction de son époque. Vous savez, l'époque de l'université qui était en fait une école professionnelle, qui s'est transformée au fil des ans en lieu de recherche où on partageait ses recherches avec des étudiants qui étaient curieux,
À une époque où finalement l'université est devenue un passage obligé pour l'insertion socio-professionnelle, on a vraiment trois modèles d'université ici. Et donc là, on se retrouve, en raison de la pandémie, de la crise sanitaire, à devoir faire évoluer l'université vers un nouveau modèle. Mais la mission reste la même, la mission de fournir un service public de développement des connaissances et de développement des compétences d'une population, ça reste la même, sauf que les conditions sont en train de changer, les conditions environnementales. Vous savez, des universités complètement virtuelles, ça existe depuis fort longtemps. La Open University au Royaume-Uni, qui est le meilleur exemple, parce qu'elle est présente partout dans le monde et elle développe des très très bons programmes de formation pour des gens qui étaient simplement pas en mesure d'aller suivre des cours à temps complet, le jour, dans un bâtiment donné, et ainsi de suite. L'important, c'est probablement de s'interroger sur ce que j'appelle souvent la qualité académique et la qualité pédagogique de ce que l'on fait avec les étudiants. Si l'université devient un truc qui est plus de l'ordre du divertissement que éducatif, alors là, je pense qu'on perd le sens de la mission universitaire. De la même façon que quand les fameux MOOC, hein, les cours libres, ouverts et massifs sont apparus il y a une dizaine d'années, là, les gens disaient « Ah, mais là, ce sera la fin de l'université parce que finalement, tout le monde va se ruer là-dessus. » Alors, les gens ne se sont pas tous rués là-dessus parce qu'il y avait beaucoup de ces trucs qui étaient en fait des constructions des départements marketing des universités qui visaient à aller chercher des étudiants, des étudiantes qui vont ensuite venir sur place. Donc, en termes éducatifs, pédagogiques, académiques, certains de ces MOOC n'étaient pas très, très développés. Par contre, ils étaient très alléchants et attirait les gens qui se posaient quelques questions pour ensuite leur dire « Ben maintenant, si vous avez trouvé ça intéressant, la suite, ben c'est sur le campus quand vous allez vous inscrire à tel programme de maîtrise. » Donc en fait, l'université numérique, oui, pourquoi pas, à condition que la mission académique et pédagogique soit préservée. L'université où je travaille à l'heure actuelle, qui va ouvrir ses portes donc en septembre 21, se trouve dans une situation de devoir choisir. Est-ce qu'on part sur le tout numérique avec la possibilité de se rabattre sur du présentiel si la crise sanitaire nous permet, ou est-ce qu'on croise les doigts et qu'on espère qu'on sera en présentiel et puis qu'on aura des outils numériques pour nous aider si jamais ce n'est pas le cas. Alors nous, on est en train de faire le pari du passage au numérique à 100%, avec bien entendu la possibilité de revenir sur du présentiel, puisque notre scénario va pouvoir être mis en œuvre soit en virtuel, soit en présentiel. Et je pense que c'est peut-être là que le bât blesse pour beaucoup d'éléments à l'université, c'est qu'on a construit nos scénarios sur ce sacro-saint présentiel, ce qui fait que tout à coup, quand on l'enlève, c'est très difficile de simplement transposer ce que l'on cherchait à faire au plan pédagogique ou académique dans une situation virtuelle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, c'est pas du tout la même chose, c'est pas aussi bon, c'est pas possible. Mais en fait, peut-être que c'est possible, c'est juste qu'on n'avait pas envisagé les scénarios pour y arriver. Alors, ma réponse première serait changer d'université. Vous savez, il y a eu au Canada des articles qui ont été écrits sur comment la vie des enseignants a été améliorée ou facilitée pendant la crise quand les universités avaient des centres de soutien à l'enseignement ou des centres de pédagogie universitaire avec des gens qui étaient là pour répondre aux questions, pour aider les gens dans la transition et ainsi de suite. Malgré cela, il y a encore des institutions où on se dit on ne va pas embêter les profs avec des questions de pédagogie, ils ont des doctorats donc ils savent faire ce qu'ils doivent faire et tout. Vous savez, enseigner c'est un métier qui s'apprend. Et c'est pas parce que je connais bien un sujet que je sais nécessairement l'enseigner. Je reprends un exemple qu'un collègue américain utilise souvent. Ce n'est pas parce que j'ai souvent pris l'avion comme passager que je sais piloter l'avion. Et en fait, c'est ce qu'on se fait croire. On se fait croire que parce que moi, je suis allé longtemps à l'université et que je connais bien mon sujet, je vais savoir l'enseigner. Alors, aujourd'hui, au 21e siècle, une université qui n'a pas de centre de pédagogie universitaire, voilà, bonne question. Pourquoi?
Alors, ce que je comprends de votre question, c'est que la personne essaie tellement de mettre en place des nouvelles façons d'enseigner qu'elle n'a plus vraiment et auquel elle doit chercher à s'adapter, qu'elle n'a plus vraiment l'occasion de vivre son enseignement. C'est en fait assez intéressant parce que dans la littérature sur l'évolution des compétences pédagogiques des enseignants du supérieur, on parle souvent, et ça c'est un collègue australien, Paul Ramsden, qui parle en fait de trois profils d'enseignants. Et qui nous dit, alors à un bout du continuum, il y a le profil de l'enseignant ou l'enseignante qui transmet des savoirs. C'est-à-dire cette personne-là, elle est experte, elle est devant des étudiants qui sont ignorants, et cette personne-là, elle est là pour transmettre des savoirs, donc leur parler longtemps de ce qu'elle sait. Et quand les étudiants vont quitter la classe, eh ben, ils sauront plus de choses qu'ils ne savaient au départ. Alors c'est un modèle, d'accord? C'est un modèle. À l'autre extrême de ce continuum, Ramsden parle du modèle de l'enseignant ou de l'enseignante qui facilite les apprentissages. Et faciliter les apprentissages, ça veut dire non seulement présenter de la matière aux étudiants, mais s'assurer que les étudiants ont développé une nouvelle compréhension, une nouvelle compétence à l'égard de cette matière. Donc dans ce cas-ci, la personne peut-être qu'elle va présenter de la matière aux étudiants, peut-être même qu'elle leur demandera de lire des choses par elle-même à l'extérieur de la classe, ou peut-être qu'elle leur demandera de visionner des capsules vidéo. Mais en fait, ce qui va être le plus important, c'est ce que la personne fait pour obtenir une preuve du niveau de compréhension des étudiants. Et donc c'est là que la personne qui est au bout de ce continuum ne peut pas être en situation d'exposé magistral où à aucun moment les étudiants prennent la parole, parce qu'elle aura aucune preuve de ce que les étudiants ont appris ou ont compris. La seule preuve qu'elle aura, c'est qu'elle a pu parler pendant 60 minutes d'un sujet. Et en fait, entre les deux, il y a une posture intermédiaire de gens qui ont compris que la transmission de connaissances, c'est peut-être pas le modèle le plus adapté avec les étudiants et les étudiantes d'aujourd'hui, mais qui n'ont pas compris nécessairement pourquoi il fallait aller jusque dans la facilitation de l'apprentissage. Et là, très souvent, les gens qui sont dans cette posture-là vont organiser des activités. Alors, je vais commencer mon cours avec une méthode que j'ai apprise pour activer les étudiants. Je vais faire une autre méthode ensuite pour telle autre chose. Et puis là, après, je vais les faire bouger, puis je vais les faire un autre élément ici. Et puis finalement, je vais faire telle chose. Et puis après, ils auront des boîtiers de vote électronique, ils pourront voter là-dessus. Et puis finalement, je vais leur faire un jeu découverte par rapport à ça. Et à la fin du cours, qu'est-ce qui se passe? Alors les étudiants disent, ah ouais, c'est différent comme cours. Certains vont dire, ah ouais, j'aime bien parce que j'ai pas pu le temps de m'endormir. D'autres vont peut-être dire, ouais, mais finalement, tout ça pourquoi? Qu'est-ce que l'on a appris finalement? Et en fait, le danger, c'est ça, c'est quand on passe d'une posture plus magistrale, que l'on va dire centrée sur l'enseignant ou centrée sur le contenu, la transmission de contenu, vers une posture davantage centrée sur les étudiants et l'apprentissage réalisé par les étudiants. Le danger, c'est de se prendre les pieds dans les fleurs du tapis et finalement se mettre à organiser beaucoup de choses, mais qui n'amènent pas l'étudiant ou l'étudiante à cette consolidation d'apprentissage. Alors les étudiants ont le sentiment de faire beaucoup de choses, mais de ne pas apprendre nécessairement autant qu'ils pourraient dans d'autres situations. Donc c'est ce que je veux répondre à votre question, de dire en fait, le danger, c'est peut-être de passer trop de temps sur un scénario qui fait appel à trop d'activités différentes pour bien le faire, et donc vraiment perdre le sens de ce que j'enseigne, de ce que je cherche à faire. Moi, je dis souvent comme repère hein, aux enseignants, 60 minutes avec des étudiants, j'ai envie de dire, vous pouvez le découper en quatre blocs ou en fait en trois parties. Premier 10 minutes, c'est retour sur ce qu'on a vu avant, où en fait je m'assure qu'on réactive les neurones des gens. Mais attention, hein, ce n'est pas un résumé que moi je fais, c'est moi qui leur pose des questions et c'est eux qui me racontent ce qu'ils se souviennent de ce que l'on a fait. Idéalement, je vais leur poser des questions en amont avant d'arriver en classe, ils seront capables de faire ça. Deuxième partie, là c'est un moment où je vais leur présenter des nouvelles notions, des choses avec lesquelles ils vont devoir travailler. J'arrive à la fin de cette première partie, je fais un moment de consolidation pour obtenir une mini-preuve de ce qu'ils ont compris avec des questions mises en situation.
Je rajoute une deuxième partie d'éléments à leur expliquer, à apprendre, avec situation pour consolider cette deuxième partie. Je termine avec une intégration de ce qui s'est passé pendant cette heure. Qu'est-ce qu'on a appris? À quoi ça nous sert? C'est quoi le lien avec ce qu'on a vu jusqu'à présent? Et qu'est-ce que je leur demande de préparer pour le cours suivant? Et ça, c'est une heure. Donc, on a en gros ici quatre activités différentes pour un bloc de 10 minutes, un bloc de 20 minutes, un bloc de 20 minutes et un bloc de 10 minutes. Et donc, ce n'est pas très mouvementé en termes de série d'activités nouvelles. Et il n'y a rien qui m'empêche de faire exactement la même chose de semaine en semaine. Hein. Les gens parfois croient que chaque semaine, je dois diversifier, changer de méthode pédagogique et tout. Si je fais ça, je suis vraiment dans la position du milieu sur ce continuum et je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon truc, c'est-à-dire savoir pourquoi je fais les activités que j'organise et savoir ce que je veux faire apprendre aux étudiants. Alors, c'est pas vraiment une question, mais j'ai envie de vous raconter aussi qu'en Suisse, certains des gens avec qui j'ai eu à beaucoup travailler, parce que c'est des gens qui avaient beaucoup de difficultés dans leur enseignement, pour eux, c'était pas naturel, ils n'arrivaient pas à trouver le bon niveau de difficulté, d'identifier les compétences à développer chez les étudiants et ainsi de suite. Ce sont des gens qui ont justement beaucoup travaillé à réfléchir à leur scénario pédagogique, à le réorganiser, à se dire mais finalement pourquoi j'essaie de faire ces choses-là. Et c'est vrai que ces gens-là, ceux à qui j'ai parlé pendant le semestre dernier, me disaient mais tu sais finalement moi ça n'a pas été très compliqué de basculer en ligne parce que j'étais au clair sur pourquoi je faisais ce que je faisais. Et là, j'avais qu'à me demander, ça, est-ce que j'arrive à le faire en ligne? Si oui, je peux le faire. Sinon, comment je le remplace pour atteindre mon objectif? Donc, il est vrai que la situation nous force à remonter à nos scénarios pédagogiques. Et si notre réflexion sur notre scénario pédagogique a été très limitée, c'est normal que l'on rencontre un peu de difficulté à faire évoluer nos pratiques dans la situation que l'on rencontre. Deux parties à la question. La première sur les salles de classe virtuelles. Alors, c'est des trucs qui existent déjà. On peut avoir des environnements où on va littéralement voir un espace devant nous et on va dire, ben voilà, vous cinq, vous allez dans tel endroit dans la classe et vous allez travailler ensemble. Alors, en fait, ce que c'est que c'est une image qui nous a permis d'organiser des sous-groupes. Et en fait, je peux très bien le faire avec d'autres façons, avec Zoom et ainsi de suite, mais peut-être que je n'ai même pas besoin d'être présent. Et ça, c'est la deuxième partie de la question. C'est est-ce que je dois laisser les étudiants travailler seuls ou est-ce que je dois les accompagner? Alors, je vais vous donner un exemple. Un des cours que je donnais il y a une dizaine d'années à Genève, où je faisais travailler à trois moments durant l'année, les 3 heures de cours étaient dédiées à ce que j'appelais du labo. Le labo, c'était vraiment travail de groupe sur leur projet de semestre en présentiel. Et donc, on organisait la salle de classe où les étudiants se regroupaient par quatre pour leur projet de semestre et travaillaient pendant presque les 3 heures à développer les différents éléments du projet de groupe que je leur avais demandé de réaliser. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Alors moi, je circule de groupe en groupe. Alors je vais passer en premier 10 minutes avec un groupe où ils me racontent ce qu'ils sont en train de faire, où je leur pose des questions, où je les aide à clarifier certains éléments qu'ils ont à clarifier ou les aider à résoudre certains problèmes auxquels ils font face. Au bout de 10 à 15 minutes comme ça, mais je vais vers un autre groupe. Et c'est comme ça pendant les 3 heures. Donc la question, c'est comment est-ce que je peux organiser ça à distance? En fait, là, la question qui va se poser, c'est est-ce que je fais travailler les gens en différé ou en direct, donc en synchrone ou asynchrone? Est-ce que je les fais travailler tous en même temps en disant, ben voilà, lundi de 13h à 16h, on va tous travailler en même temps. Vous allez être dans des groupes différents, donc je vais devoir créer, à titre d'exemple, si je suis sur Zoom, je vais devoir créer des invitations Zoom pour ces diverses personnes-là et je vais pouvoir aller de groupe en groupe et voir avec eux ce qu'ils ont fait de la même façon que si je me déplaçais dans la salle de classe d'un groupe à l'autre. Je peux aussi
prévoir des moments dans la semaine avec des plages horaires et dire voilà, vous identifiez une plage horaire durant laquelle vous allez travailler dans votre groupe et on s'organise pour que je puisse avoir un moment avec vous pour voir ce qui se passe. Le souci ici, c'est la même chose que quand on fait faire du travail de groupe aux étudiants dans le cadre de nos cours présentiels, c'est que qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème dans le groupe, quand le groupe avance pas, quand le groupe comprend pas comment fonctionner, quand il y a un conflit entre des personnes au sein du groupe. Si on ne fait rien, le groupe va s'enliser, le résultat va être assez moyen, et là on va dire « Ah mais c'est fou ce que les étudiants n'arrivent pas maintenant à produire des choses de qualité ». Sauf que c'est à cause de qui ? Qui leur a demandé d'être en groupe et qui les a laissés se débrouiller tout seuls ? Peut-être que c'est notre faute à nous, enseignants, parce que oui, si on leur fait faire du travail de groupe, ça implique peut-être quand même qu'on soit présent d'une façon ou d'une autre pour les aider à s'organiser. Alors, vous savez, dans l'enseignement supérieur, beaucoup de gens s'imaginent qu'on est dans une logique de un cours, une personne, chacun fait son travail, et puis on fait la somme de tout ça, et c'est ça l'expérience apprenante des étudiants. Sauf que justement, dans certains cas, c'est ce qui se passe. Les étudiants ont l'impression que d'un cours à l'autre, c'est très très différent. On leur dit des choses dans un cours qui sont quasiment le contraire de ce qu'ils ont appris dans un autre cours, ou on leur répète ce qu'ils ont déjà appris dans un cours. Et c'est la différence entre ce qu'on appelle une approche cours, où chaque enseignant s'occupe seul d'un cours et puis finalement n'a pas besoin d'en parler avec ses collègues, et ce que l'on appelle l'approche programme. L'approche programme où finalement c'est une équipe pédagogique qui enseigne diverses parties d'un tout, et l'expérience d'apprentissage des étudiants, en fait, n'est pas simplement la somme de ce que chacun a fait, c'est plutôt le résultat de la concertation des enseignants. Mais qui dit concertation dit temps. Et c'est vrai que, comme un prof de mon ancienne université en Suisse m'a dit une fois, avec tout ce que vous nous demandez de faire, vous n'allez quand même pas nous demander de nous parler entre nous. Alors c'est vrai que là, c'est assez révolutionnaire de demander à des enseignants de parler entre eux de leurs cours et de leurs enseignements. C'est peut-être aussi simplement une culture, un changement de culture qui est à opérer. Un collègue américain, Lee Shulman, parle souvent de l'enseignement supérieur comme un lieu de solitude pédagogique, parce que finalement, chacun fait son truc de son côté. On discute rarement des problèmes que l'on rencontre au niveau de l'enseignement. On discute rarement des trucs qui se sont bien passés. Et là, peut-être que une des dimensions du leadership pédagogique qui pourrait être exercée par nos décideurs institutionnels, c'est de prévoir des moments où les gens peuvent discuter de pédagogie, discuter du cours, discuter de ce qu'eux font dans leur cours pour que les autres puissent voir s'il n'y a pas des éléments à aller chercher dans ce scénario, peut-être que ça me donnera des idées à ajuster ce que je fais. J'ai envie de vous donner un autre exemple. À l'Université de Lausanne, j'ai travaillé avec deux enseignantes qui enseignaient toutes les deux les méthodologies qualitatives de recherche. Et bien entendu, chaque enseignant est recruté en fonction de son domaine de spécialisation, donc les deux enseignantes en question avaient des visions très très différentes de ce qu'il fallait enseigner aux étudiants sur les méthodologies de recherche qualitatives. Alors, quel est le résultat pour les étudiants et les étudiantes ? C'est que finalement, on va dans un cours, on nous dit « Ouais, ce que l'autre enseigne, c'est pas vraiment juste, c'est pas bon, il faut pas faire ça, voilà ce qu'il faut savoir. » Même scénario quand on va dans l'autre cours. Et l'expérience pour les étudiants, elle est quand même assez... C'est assez négatif parce que... en fait, on essaie de donner du sens à ce qu'on apprend, mais les deux personnes de référence nous disent que ce qu'on apprend dans l'autre cours sert à rien. Alors, le travail qu'on a fait avec ces deux enseignants, c'est finalement de les amener à voir qu'elles n'ont pas enseigné la même chose et elles n'ont pas à être d'accord. Mais l'important, c'est qu'elles puissent expliquer aux étudiants pourquoi l'une préfère une approche davantage philosophique et l'autre préfère une approche davantage méthodologique sur les questions de recherche qualitative. De sorte que les étudiants puissent donner du sens à cette différence à laquelle ils font face dans ces deux cours-là. Donc l'approche pédagogique, l'approche d'équipe, c'est pas nécessairement ce qu'on appelle parfois le soviétisme pédagogique où tout le monde enseigne la même chose et tout le monde enseigne de la même façon.
C'est plutôt qu'on soit en mesure d'échanger sur ce que l'on fait pour que les autres comprennent ce qui se passe dans mon cours et de sorte que je puisse aider les étudiants à comprendre que finalement, ce que vous avez appris dans le cours de ma collègue une telle l'année dernière, moi je vais le reprendre comme ça et puis on va plutôt aller dans telle direction. Alors que si je ne leur dis pas ça, les étudiants s'interrogent sur, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on apprend une nouvelle méthode? Pourquoi est-ce qu'on nous reprend, on nous reparle encore de ce truc qu'on a vu l'année dernière? Et ainsi de suite. Très bonne question. C'est vrai qu'on est dans une société de ce que les collègues québécois appellent l'infobésité. Donc il y a obésité informationnelle, où en fait l'information est disponible partout. Et on a eu tendance pendant un moment à préférer la quantité de l'information à la qualité de l'information. Vous savez, quand les gens vous sortent des histoires au sujet de la crise sanitaire actuelle parce qu'ils ont entendu à un endroit que finalement le virus c'est à l'Institut Pasteur que ça a été développé et puis c'était pour faire en sorte qu'on s'attaque à tel groupe de la population parce qu'on l'a lu sur Internet, c'est vrai que c'est dramatique. Et en fait, ça met en évidence une des missions sociales de l'université, qui est celle de développer des compétences en lien avec ce qu'on va appeler l'esprit critique. L'esprit critique et les compétences informationnelles, c'est-à-dire être capable de faire la part des choses dans ce que j'enseigne, dans ce que j'apprends, dans ce que je vois passer. Et j'ai envie de vous donner un exemple, vous raconter une anecdote qui est assez drôle, mais en même temps qui montre bien le danger de la posture des étudiants. C'est-à-dire que beaucoup d'étudiants et étudiantes en première année de licence arrivent et se disent « Ah ben, si c'est le professeur qui le dit, ça doit être vrai. Et je ne peux absolument pas remettre en question. » Et moi, en fait, si je renforce cette posture-là, en leur disant, quand ils interviennent, en leur disant « Ben non, c'est nul ce que vous dites, ça, c'est pas juste, et ainsi de suite », je suis en train de les conforter dans une posture noir-blanc, hein, une posture très très dualiste, que les choses sont vraies ou les choses sont pas vraies. Et puis quand c'est quelqu'un qui a une blouse blanche sur le dos qui le dit, c'est vrai. Et quand c'est quelqu'un qui a pas une blouse blanche qui le dit, c'est pas vrai. Alors le prof en question, qui était en biologie en deuxième année, je crois, une année, comme par hasard le 1er avril de cette année académique-là, avait décidé d'enseigner à ses étudiants la découverte du gène de l'entretien ménager chez l'espèce humaine. Alors, graphique à l'appui, il montre aux étudiants que, voilà, on a fait des tests auprès de l'espèce humaine, chez les hommes et chez les femmes, et on découvre que les femmes sont beaucoup plus agiles en matière d'entretien ménager que les hommes, et que finalement, ça explique pourquoi certains emplois sont occupés par des femmes et certains emplois sont occupés par les hommes. Alors, vous vous rendez bien compte que c'est de la foutaise tout ça, mais le souci, c'est comment les étudiants réagissent? Alors le prof, justement, demande aux étudiants, alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors déjà, la question interpelle les étudiants, mais pourquoi le prof nous demande ce que l'on pense de ce qu'il vient de dire? Alors qu'en fait, s'il l'a dit, ça doit être vrai, c'est un prof. Et le prof leur explique, voilà, vous êtes d'accord avec ça? Et là, bon, les étudiants disent, ouais, ben c'est vrai que chez moi, c'est ma mère qui fait le ménage, pas mon père, parce que mon père, il est nul là-dedans et tout. Et bon, à un moment, le prof leur dit « On est quelle date ?» et les gens se rendent compte que c'était un poisson d'avril. Mais en fait, le prof a utilisé cet exemple pour leur montrer qu'il faut faire attention à tomber dans le piège de croire tout ce qu'on nous présente et qu'au contraire, une des vertus de l'université et du passage à l'université, c'est de développer sa capacité à remettre en question ce qu'on nous dit, mais à l'aide d'outils, d'outils analytiques, à l'aide de sources d'informations et ainsi de suite. Et donc peut-être que dans votre cours, sans tomber dans le piège de cette espèce de poisson d'avril que le prof a organisé, de temps en temps, placez les étudiants dans une situation où ils doivent se poser des questions, savoir, mais ça, regardez où est-ce que j'ai pris cette information. Est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est pas valide? Pourquoi? Pourquoi on peut dire que c'est valide? Pourquoi on dirait que c'est peut-être pas valide? Et d'amener les gens à développer leur esprit critique à l'égard de l'information. D'abord, être capable de faire le tri dans les sources d'information, mais aussi être capable de faire le tri dans l'argumentation et la présentation des arguments. Et peut-être que ça éviterait que certaines personnes soient élues au poste de président de la plus grande démocratie ou de la plus grande puissance économique de l'Occident. Pas dire démocratie parce que c'est l'Inde.
Alors, la question du temps, on en a parlé dans la première série de questions, c'est-à-dire que si l'étudiant, l'étudiante s'est inscrit à l'université à temps complet, le modèle repose sur l'idée que l'étudiant aura à peu près entre la moitié et deux tiers de son temps en présence des enseignants, dépendamment de son domaine disciplinaire, et l'autre tiers devrait être dédié à du travail personnel. Donc, si on n'a pas communiqué ça avec l'étudiant à un emploi, des obligations familiales ou autres, c'est là qu'on doit absolument flexibiliser les programmes d'études pour permettre aux étudiants de faire leur programme sur une durée plus longue sans qu'on ait à réduire le niveau d'exigence. Après, la question des infrastructures, des lieux de travail, là aussi, on doit se poser la question de savoir comment est-ce qu'on met à disposition ces infrastructures. Une des questions que l'on se pose dans mon université à l'heure actuelle, c'est est-ce que l'on doit ou non offrir aux étudiants un ordinateur à l'arrivée? Vous direz, c'est l'Amérique du Nord, les étudiants paient beaucoup plus cher que ce qu'ils paient en Europe, mais finalement, c'est juste que l'argent vient de l'étudiant plutôt que du gouvernement. Et je ne pense pas que c'est la solution que l'on va mettre en place. On va plutôt expliquer aux étudiants où est-ce qu'ils peuvent travailler, comment ils peuvent travailler. Si on est dans une logique de visionnement à distance de certaines choses, ben la plupart des étudiants ont des téléphones portables avec lesquels ils peuvent le faire. Ceux qui n'en ont pas, on pourra leur donner un coup de pouce financier pour acquérir l'outil de travail qu'ils souhaitent acquérir. Ceux qui n'en ont toujours pas, on peut mettre des instruments à disposition, des ordinateurs en prêt à disposition, et ainsi de suite. Donc, la question, à mon sens, dans le fond, on pourrait dire la même chose, mais finalement, les étudiants qui n'ont pas les moyens de payer le transport pour venir jusqu'à l'université, est-ce que c'est juste pour eux? Et c'est la raison pour laquelle, dans plusieurs villes ou dans plusieurs pays, on offre des rabais sur les transports publics pour les étudiants, et ainsi de suite. Donc, c'est de voir comment on peut aider l'étudiant qui serait dans une situation différente à accéder aux études. Oui, parce que c'est déjà le cas dans diverses universités à distance et ça fonctionne très bien, sachant que les gens sont encadrés différemment et on les aide différemment. Est-ce que l'université, l'enseignement doit devenir complètement à distance à l'université? Probablement pas, parce qu'on va être vraiment dans une situation assez bizarre avec tous ces bâtiments vides, mais entre autres aussi parce qu'on connaît la plus-value du présentiel, de ce que l'on peut faire en présentiel avec les étudiants. Alors, ça, c'est une question assez intéressante. C'est la question des représentations sociales en lien avec l'enseignement et l'apprentissage. Alors, toute personne va développer des représentations sociales, généralement de façon implicite, hein, c'est-à-dire sans le savoir, en fonction du parcours qu'elle va suivre. Imaginez que, voilà, si je fais toutes mes études de niveau primaire et secondaire en France dans un système où on me dit une note de 12 sur 20, c'est vraiment très bien, une note de 16 sur 20, c'est le maximum que tu peux obtenir, j'ai pas la même vision de ce que c'est que la réussite, de ce que c'est que l'échec, que si je vais dans un système scolaire où finalement on est dans une logique succès-échec et qu'on m'aide à atteindre la compétence et qu'en fait les enseignants vont passer plus de temps avec ceux qui ont des difficultés. Et là, je ne fais pas l'apologie d'un système plutôt que l'autre, je vais simplement montrer qu'on va développer une représentation, c'est-à-dire une façon de voir la réalité, qui va nous amener à anticiper certaines choses et à ne pas anticiper d'autres choses. Donc les étudiants, en fonction de leur parcours, s'attendent à certains comportements de la part des enseignants, s'attendent à certains comportements de la part des étudiants, et très souvent, ils vont vous sortir des idées assez bizarres. Je me souviens d'avoir organisé à l'université de Strasbourg, des ateliers avec les étudiants où on leur montrait la plus-value d'un enseignement interactif, où en fait on les fait participer pendant l'enseignement. Et même si à la fin de ça, les étudiants pouvaient dire oui, franchement, là on a appris beaucoup plus que dans telle situation, on en avait quand même la moitié qui revenait en disant ouais, mais c'est pas sérieux, mais ça c'est pas vraiment de l'enseignement, mais ça c'est pas vraiment l'université, mais ça c'est pas vraiment. Moi j'apprends quand même mieux quand le prof me donne les trucs que je dois apprendre et que je dois noter. C'est qu'en fait, il faut pas perdre de vue que les gens, en fait, ont une façon de voir les choses et vont avoir tendance à se conforter dans cette façon de voir les choses, même si on arrive à leur prouver le contraire.
Donc avec les étudiants, ce sera intéressant probablement de les placer dans des situations où ils vont découvrir les limites de leur méthode d'apprentissage, où ils vont se rendre compte finalement que ce qu'ils ont appris là, ils ont peut-être le sentiment qu'ils ont bien appris, qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, mais que finalement, ils n'arrivent pas à aller aussi loin que si on avait fonctionné d'une autre façon. Bah, la réponse est clairement non. Vous savez, on va juste faire un petit exercice de proportion mathématique. Depuis les années 80, la population estudiantine en France comme en Occident a été multipliée par 4 à peu près. En France, on pourrait même dire par 5. C'est-à-dire que, et la population de ces pays n'a pas été multipliée par 4 ou par 5. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup plus de gens qui passent à l'enseignement supérieur. Donc, plus de gens qui passent à l'enseignement supérieur, inévitablement, il faut plus de moyens. Vous savez comme moi que les moyens sont généralement bloqués pour diverses raisons. Et non seulement les moyens sont bloqués, ce qui nous fait fonctionner avec moins de ressources que ce dont on aurait besoin. En plus, souvenez-vous, j'en ai parlé à d'autres moments. On vous envoie de plus en plus d'étudiants qui auraient besoin davantage d'accompagnement. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait réduire la taille des classes, il faudrait avoir plus d'enseignants pour accompagner les étudiants, il faudrait avoir plus de spécialistes qui peuvent travailler avec des étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage d'un ordre ou d'un autre, et ainsi de suite. Et en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que typiquement dans le cas de la France, on a fait un choix de société qui est de démocratiser l'enseignement supérieur, comme on aime bien l'appeler en France, ce qu'on appelle dans beaucoup d'autres pays plutôt la massification de l'enseignement supérieur. Mais la question derrière, c'est est-ce que les moyens suivent? Parce que j'ai envie de vous dire, 70% d'échecs en première année de licence, c'est peut-être démographiquement normal dans une situation comme la vôtre, mais est-ce que socialement et éthiquement, c'est normal et acceptable? Là, on peut se poser la question. Donc en fait, si on avait vraiment voulu démocratiser l'enseignement supérieur et qu'on avait décidé d'envoyer beaucoup plus de gens à l'université, il faudrait aussi qu'on mette beaucoup plus de moyens pour accompagner ces gens-là. Sinon, ben en fait, on les envoie à la casse. Et on sait très bien qu'une grande partie d'entre eux ne vont pas s'en sortir en première année. C'est un peu la logique inverse que l'on va retrouver dans, si on veut, les écoles de médecine des grandes universités américaines, où on fait une très très forte sélection à l'entrée. Et encore une fois, je ne fais pas l'apologie d'un modèle versus un autre, hein. Simplement vous montrer la logique. On fait une très forte sélection à l'entrée. Et une fois que les gens sont entrés, on fait tout pour qu'ils y restent. On fait tout pour qu'ils arrivent jusqu'au bout de leurs études. C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre en place des ressources pour les accompagner. On aura des gens, si les gens découvrent qu'ils ont des difficultés d'apprentissage, s'il y en a qui ont de la difficulté à gérer leur stress, on va travailler avec eux sur l'apprentissage, la gestion du stress, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est deux modèles différents qui ont leurs forces et leurs faiblesses. Et par rapport à votre question, j'ai juste envie de dire que la transformation actuelle va imposer de mettre bien entendu un peu plus de ressources. C'est-à-dire que si des enseignants ne sont pas outillés pour fonctionner avec les nouvelles technologies, mais il faut les aider à y passer. Donc qui est en place pour le faire? S'il n'y a pas de centre de pédagogie ou de technopédagogie dans l'institution, ben, le résultat sera celui malheureusement qu'on observe dans certaines institutions. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite encore une fois une bonne rentrée académique 2020 et au plaisir d'avoir l'occasion de reparler de tout ça à un moment ou un autre. Au revoir.